Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Shinies The Lightning Kingdom sur PC. Donc c'est un jeu qui a été kickstarté via Kickstarter et donc qui est totalement français, hein. Cocorico tout le monde. J'ai activé également le pack pour avoir, au lieu d'avoir des langues anglaises, les voix maériennes, qui est un langage spécialement créé pour le jeu. On va tout de suite continuer avec le début. Enigami. Luma omande de Onian Gate. Lai e de Uamoji. Remo e o de Osyoji. Sese kanazi. Yunedelna e Samsami omande Sandal Gate. Ba si plen. Ba nyeik. Shyness. Liteo niet italoam. Ei omande edeo ignasen dolnia nieito. Ogdenlik emolekaide ei lae. Miweni plikiniali aizo min jingue. Bema, frayutli, jio shado. Steuba liteo numeroam. Shalayude nieito, terra. Ba luluai atelande l'iligren guait. Hmm? Iligre? Lo... Lo mans vi firge. Yelog nyara. Zuyoman gate. Osaria! Miwela de wait! Suja vagi. Location man kayen. Luina et clotam nuklam vanga. Dobake ineri. Josa krana doria krinapunut. Ujiman poifandi. Kalon lo viupinei. Lozuk nekage kloda ben shinoge. Ume. Derure wishes wait. Vius dibu vis no lakni wait. Oui, bien. Manouin ami, wait, you. Lo. You lozuk new to get. Light. So, Dieu. Meonis. Oh, you know di Shadow. Tara, et toi, Talos et Noël Akmane, Shadow. Tara, ta woman zawe koto. Imagudio moliva ita yogi. Rosalop tout dit tivagi. Ah, on a moué tout jibé, Jo? Lo wenya di dino si zoyo. Va ita chou legre adressa vous de otuge. Ok.
Ashanaji, yene lali. Totsmilike eriu kamtu. No jalam shabeve. No kaji liligre e ubia jio sipse uzwa. Ah, rinyabe, lo uhedezi surta. Ila eli poki, yonjibe. Yamena liotola. Lui on tu livra sha ki tari puta waki. Plipliki okupaili. Ah ouais, ça j'ai déjà lu. Dayode. Alors, on apparaît où ? On est... ici. D'accord. Donc c'était le début de la démo qui était sortie pour les backers. Shimen Hino. Voilà. Donc on va invoquer deux menhirs à la fois. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Un jeu que j'attendais impatiemment depuis un moment qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a pas longtemps. C'est un jeu assez intéressant. On va découvrir ensemble. Le cristal ici, ok. Ah bah j'y viens. Oula, attendez, comment faire? Ah, j'ai vu qu'on pouvait passer par là aussi. Ah, c'était plutôt par là le bon chemin, je dirais. Aussi un coffre. Des pommes bleutées. Très bien. Ok, je vois. C'est spécial système de combat pour le moment, il faudra que on s'entraîne. Hein. C'est un système un peu à la Tales of Zestiria, enfin au Tales of plutôt. Même chose pour les Shyness, le seul à le voir, comme pour les Séraphins et le Berger.
Voilà. Un engrenage, donc un objet clé, hein. Alors j'essaie de voir où on est où, hein. À peu près. On est... D'accord, on est là. On n'a pas la possibilité d'escalader. Alors, par où on va passer? Tiens, tiens. J'essaie de voir par où je vais passer, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un coffre. Est-ce que les coffres ouverts apparaissent? Non, ils apparaissent pas. Rien ici. Si on y vient... Il y avait qu'un chemin, non? Ouais, il y en a deux. Là-bas, je peux pas encore y aller. J'espère que le son est pas trop fort, hein. Je vais quand même essayer de régler au maximum le son pour que ce soit... pour que cela concorde. Je suis un peu perdu là, je suis où exactement? Ah, je suis là, d'accord. Yes, montrez-vous. Vous n'êtes pas les bienvenus en ce lieu, jeune Waki. Disparaissez immédiatement. Ne vous inquiétez pas, je compte partir d'ici aussitôt que j'aurai retrouvé mon ami. Et je dois également réparer mon verso, car là, il n'est plus vraiment en état de voler. Vous tombez du ciel à un très mauvais moment, jeune Waki. Même l'orage se serait fait plus discret. Vous nous mettez en danger, alors disparaissez au plus vite. Mais, je précise que c'est un accident. Shadow, ne la contrarie pas, voyons. Plus cela ne nous assure pas confiance. Ça commence à sortir mauvais cette histoire, on ne peut pas laisser Poki seul dans cet endroit. Nous avons ressenti beaucoup de crainte et d'inquiétude dans sa voix. Cela laisse présager un danger imminent. Quoi qu'il en soit, il faut retrouver Poki au plus vite. C'est pour le moment de se dégonfler. Oui, tu as raison. Je vais peut-être essayer de parler en même temps. On va voir, ça entraînera peut-être ma faculté de parole. Cette part semble être liée à ce bulbe là-bas. Nous devons régler le problème. Réinvoque un menhir et lance-le sur le bulbe. Nice. Tu peux aussi lancer le menhir afin de faire du bruit et attirer l'attention des ennemis. Tu devrais essayer. Ouais, on verra. Sur le Mitora, donc j'ignore tout et Poki qui n'a rien. Alors, apparemment, j'ai des objets. Est-ce que j'aurais peut-être déquitté cet équipement? Non.
Ok. Non, j'ai rien de ça. Rien dans les paramètres. Ok. Apparemment, il y a quelque chose ici. Oh, voyageur, je suis un gardien des souvenirs. Je le trouve tellement bon, même si parfois ils ont un arrière-goût d'amertume. Confie-moi un souvenir et je te promets qu'il sera sauvegardé. C'est le point de sauvegarde. Merci, voyageur. Chaque souvenir est une tranche de vie à partager. Reviens me voir quand tu en auras d'autres. C'est le point de sauvegarde, d'accord. D'ailleurs, y a pas de... Y a pas l'air, hein. Alors, il est censé avoir un coffre, si je m'abuse, pas loin. Ou alors, il est peut-être là-haut. Il m'a l'air d'être là-haut, ouais. On verra plus tard. Verrouille adversaire, tu peux distinguer la caméra, ok. Sur la plupart des monstres te détectent à distance. Certains monstres sont agressifs, mais d'autres te laissent tranquille si tu te tiens à distance. En général, les monstres te repèrent s'ils te voient ou t'entendent. Alors reste discret. Ok. Un de topaz, ouais. Ah, j'aurais pu les attraper. Yo-ho-ho, mais quoi que t'es donc, toi, un écuchon géant? Plus sérieusement, t'as pas vu un groupe de marins dans le coin, mon équipage? Pas des terres de vie. Moi aussi, je suis un explorateur, je parcours les différents Métoras. Ou Métoras, je ne sais pas. Dès que j'aurai retrouvé Poké, on reprendra la route vers les terres de vie. Vous connaissez? Sache que le deuil de mon équipage était uni jusqu'aux terres de vie. Malheureusement, on s'est perdu de vue. Ah, c'est con. Je sais qu'ils n'oseraient pas trahir leur devise et prendre la route sans moi. On parle d'autre chose. Votre équipage. Un gros de marin, je crois pas, non. Vous avez perdu vos amis, vous aussi? C'est ce que je viens de vous dire, non? C'est étrange quand même, chaque fois qu'on part en mer, il m'oublie. Pourtant, je ne rechoute pas du boulot, non, si. Ils le diraient s'ils ne m'aimaient pas, enfin, ils essaieraient de le faire comprendre, moi. Oui, ils ont juste essayé de m'oublier. Ils ont juste dû m'oublier, plutôt. Par hasard, vous n'avez pas vu passer un certain... aperçu un autre Waki. Il est plus petit que moi, habillé en vert avec des lunettes d'aviateur. Un Waki de Kimpao? C'est là d'où tu viens, j'imagine. Oh, j'irais bien y faire un tour, enfin, si j'en trouve mon équipage, je vois. Attendez. Un coquillage. Je peux pas le faire ça encore, à mon avis on devrait débloquer des compétences plus tard. Ah non, ouh, je suis fort. Au pif. Oh la puissance. Oh, en plus c'est raccourci jusqu'ici, tiens. Très bien. Le coffre que je cherchais était donc en dessous. Donc on vient d'apprendre un petit truc. Alors on peut pas nager, je parie. Ouais. Ça aurait été trop beau. Toute cette zone a été vérifiée, pardon. Donc j'appuie sur RT pour courir. Voilà. 12 d'XP en plus.
Alors, on se trouve donc ici sur la côte. Trésor ici? Non. Je vais allonger un peu la côte pour voir. Je peux pas passer là, je parie. Allez, ça a été trop beau. Ça a été trop beau. Un lapin! Col doré des cuissons. The hell? Plume de pouille. Des pouilles. Qu'ici il n'y a rien de toute façon. On va continuer à avancer, on va monter. Hein. En tout cas, c'est bien stylé, c'est bien beau. Enfin, cette sorte de cel shading, elle est stylée. Une porte. Ok. Je sais comment l'ouvrir, hein, c'est pas la question. La question, ça s'est ouvert par où, hein. Ah, c'est par là, je vois. Ok, mais il y a quelque chose d'autre qui s'est abaissé. Je veux savoir ce que c'est. Attendez, je retourne en arrière pour voir. Hein. Quelque chose s'est abaissé, mais quoi? Ah non, c'était peut-être juste ça, d'accord. Non, j'ai bon, je vois. On sauvegarde. Allez. Allumé, c'est bon. Chromis Gunt. Niveau supérieur. On peut pas monter. Un coffre. Voilà, de 1. Voilà. C'est dur de contre-attaquer avec le bon timing.
la nouvelle chaussure. Elle est tout de suite. Ça c'est bon, on va essayer de se régénérer avant. Alors attendez. Ok, c'est juste au-dessus. Piège. Je me le reprends. Je suis trop fort. Je t'ai parlé pour toi, comment t'as fait pour... On fouille la zone, hein. Attends, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Tout ce qu'on veut chasser, on le chasse. J'ai mis un engrenage là, il m'en faut encore. Sinon je peux pas monter si je m'abuse là-haut pour ensuite aller à droite. Ok, bon, on va pouvoir aller là-bas. Babundri. Nashoba, ukusunga itawaki. Loshimo eminga. Ese no pue. Ojonri kibabu, tani ubia nivre. Tiens. Télescope, hein. On a déjà vu. Il a dit combat, ça va, c'est pas trop dur. Supérieur. Là-bas, c'est le début. Ok, ok. Pour les cuchons. Je regarde un peu où je vais, hein.
garde, d'accord. Voilà, on se permet de faire les combats pour XP, hein. Toujours utile. S'il n'y a pas de coffre, si je vais là-bas, il y a une quête. Des Medgore. Tiens, je vois un mur là-bas. Voilà, allez. Ça, c'est fait. J'ai pas l'impression que c'est pour ici. On va essayer quand même de tester, mais j'ai l'impression que c'est un peu fort. On va essayer de voir. Difficile ce combat. D'accord. On va déjà ouvrir ce mur. Carton. Bah, voilà. Coffre. Petit foulard. Ah, ça je l'ai pas équipé déjà. On est censé avoir un foulard. Je suis peut-être rêvé. J'ai sûrement dû rêver. Bon, allez, on retourne là-bas. Ici, on passera plus tard. Allez, allons au village. Yokuyano jalam lo ibionaji. Makunaji munao. Lo elindi? Io pue lo janadi. Sempe, itaaseo, rugi mappu di rusojuk kudi jalam. No plesim nikai? Shadow, lo pupionde. Leige yo. E lo. Lo linea lo mit. Hoi? Papa de Nadji, lo guinalon. Lo que shuima me llama Don Kaji. Lo inyama Don Kaji, o que congo. Wagdas. Lo Shanin. Li rendendi yorkam no truji. La murra. Oh. Fight. Alai. Ibo yonzi ramburo. Lai, lai. Sasanuitu. Nanamura. Unin yego pushinut la ligo.
On dirait le doubleur de Sangohan. On dirait vraiment le doubleur de Sangohan, enfant. Vraiment un mongo, c'est mon beau, je ne pourrais plus écrire. Merci. Le mapinois joue chez l'exacla Lou Cayenne. Naopi. Badeyo falimbu plot l'otomire. To? Je m'appelle Rosalia et voici mon compagnon de route et Cayenne. Enchanté de faire ta connaissance, petit Waki. Moi c'est Poki. Je ne suis pas si petit que ça pour un Waki. Voilà, Rosalia, sauf respect, nous perdons un temps très précieux. Je t'aborde du vaisseau le plus beau de Tokumpeo, la Sanao. Nous nous sommes écrasés, vous devez ce que c'est, et puis la compétence de situation de notre jour. Et mon ami Shadow est peut-être blessé, il aurait pu faire sauter en même temps que moi. Pour ma part, je refuse de laisser Poki seul dans cette maudite forêt. Rosalia, je fais seulement de vous protéger, ne me conduis pas la tâche, je vous en prie. Trémine ne doit plus être très loin, et nous avons perdu l'avantage de la discrétion, et je peux vous assurer que ce Wiki nous ralentira considérablement. J'en ai conscience, mais ce Wiki est sans défense. Merci beaucoup, madame Rosalia. Je vous laisse dire de s'entraider et étudier sur qui elle. Alors on est où? Quelle partie de la carte? D'accord. Du coup il y a quel niveau Pochi? Il y a niveau 1. Plut. Je vais y rattraper. Ah, c'est ici, d'accord. On fait un peu le tour de la zone, hein. On va peut-être aller là-bas plus tard, hein. On va déjà suivre le chemin que nous indique. Par là-bas. Oups. C'est difficile de contrôler les sauts quand même. Ouais, difficile. Si je courais pas, ce serait mieux. Courissez pas, ça n'existe pas. Je suis fou, moi. Ah, bordel. Bon, on essaye. Aller là-bas directement, d'accord. J'essaie de gruger hein, pour voir, mais bon. Bien visible. Hein. Non. Ça glisse comme pas possible.
Ah, flûte. Je pense que comment on va aller là, on va faire cette zone de combat. Ah, j'ai plus assez d'énergie d'eau, d'accord. De toute façon, on peut pas y aller, hein. Ça c'est fait. Ici, y a rien à faire. On a fait quelques petits combats, on a regagné quelques petits points d'XP. On va bientôt rejoindre de toute façon notre compagnon Shadow. C'est vrai que c'est pas par là qu'on passe ça. J'avais galéré à monter, bah je vais devoir tout refaire. Pas grave. Peut-être dû me soigner avant. Bon, ça va, je commence à avoir la main. Oh nice. Ok. Va falloir trouver un moyen de faire les combos. C'est des grands escaliers, dites-moi. Pourquoi pas? Alors on est de ce côté là, d'accord. Je sais pas à quoi ça sert ça encore, on verra plus tard. Et on peut pas aller par là tant que...
D'accord. Je vois. Je vois, je vois. Mécanisme l'a fait, donc on va recouvrir, on va redécouvrir la map pour trouver les autres mécanismes. On va devoir passer. Non, pas par là. Mais ils sont déjà là-bas. Sur les vite. Alors, on va aller passer vers là. On va voir si ça correspond bien. Je vole sur l'eau, je suis Jésus. Donc c'est, ici c'est bien ouvert, donc il faut repasser par là pour refaire le tour. Pouvoir débloquer des choses qu'on n'avait pas vues la première fois avec Shadow. C'est où ce passage là? Même passer par là. Pour voir si j'en avais pas loupé. Je savais pas qu'il y avait un coffre ici. Bonne chose de fait. Hein. On dirait trop la voix de Sangohan, sérieusement. C'est tellement la voix de Son Gohan. Là je suis déjà allé, y'a rien. D'accord, on continue. De jeu. Ça, c'est ouvert déjà. Voilà. Là bas il y a deux passages. Du
quand si on attache le flux là ça fait ça, mais si on attache l'autre flux. Ah, ici par exemple. Non, d'accord. C'est parce que c'est une couleur spécifique et du coup on peut pas modifier ça. On peut avancer, hein. On va essayer de rejoindre les deux compères avant d'arrêter là. De les faire rejoindre. Ou alors qu'on repassera à Shadow. Alors je suis où là? Je suis là, d'accord. D'accord. Allez, allez. Là-bas, j'y suis déjà allé, j'y viens. Le passage là. Si je n'abuse ici, il n'y a rien. À part tout au fond là-bas. On voit le trésor. Ça sent l'ennemi aussi par contre. Des usus, ce serait des sous les ouzous. What? Un marchand. J'ai quand même envie d'essayer de faire le tour par en bas. Au 23. J'ai eu le choix. Voilà, voilà. Ah, un engrenage. Il a fait venir ici après tout. On peut rien faire sur ce bateau. Ne vous inquiétez pas, on ira au bon chemin après, hein. C'est vrai que j'ai oublié que je pouvais esquiver. C'est chaud. Nice.
Ouais, rendu, tu m'étonnes. Ah, rendu, tu m'étonnes. Alors, on va tout de suite au bon endroit, on ira plus tard là-bas dans une autre vidéo. Alors, faut que tu la ripop. On va le sauvegarder avant de continuer, pour en même temps récupérer la vie. Rien par là. C'est le lingot, il y a rien. Voilà. Oh, et ça. Est-ce que j'ai de l'équipement? Non, j'ai cruche. Ça sent le boss, hein. Ah non, pas de boss finalement. Je suis où là? Ok, je suis là-haut. Côté du marchand. Ça, je peux pas l'avoir encore. Une paire de chaussures. Thank you.
Ok. Ok. Ah, je veux changer de robe, je veux changer d'ordre, putain. Ok, alors voyons voir cela un peu, tout ce qu'il peut y avoir. Un nouvel engrenage. J'arrête de me confondre dans les touches, ça va le faire. Alors attendez, hein, j'essaie de m'y retrouver. Rien pour le moment, rien pour le moment. Ok. Et donc nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était le projet YouTube HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.